hein, tout ce qui est légumes et autres. Hein. Pour l'instant, puisque ce qu'il y a dans le jardin encore, et pas, ou quoi que les salades, bientôt je vais pouvoir en manger. Là, des radis, j'ai commencé un petit peu là. Enfin bref. Et donc, de temps en temps, ils vendent quelques petits trucs studio. Hein. Alors, si moi j'avais trouvé là-bas, alors maintenant le prix, il me semble que c'est 20. Alors, ça tend entre 25, je crois, et on va dire entre 15 et 25 euros. Alors, ils doivent le faire une ou deux fois. Une fois, c'est sûr, une fois par an. Quoique maintenant, vu qu'ils ont, depuis deux ans, là, ils ont fait un magasin neuf, donc dans l'ancien entrepôt qu'ils avaient, enfin, dans leur ancien magasin, je crois que c'est une ou deux fois par an pendant une semaine. Et tout ce qui est plus ou moins, enfin, pas invendu, enfin, oui, plus ou moins invendu, parce que dans le magasin, si tu veux, quand ils vendent des trucs comme ça, c'est un produit qu'ils vont mettre en vente pendant une semaine. Voilà, pas plus, hein. Toutes les semaines, t'as des nouveautés. Surtout en trucs comme ça, alors, ils font des petits téléplacements, des trucs d'ordinateur, tout ce qui est planche de découpe là, que j'utilise, et puis la machine aspire, tout ça, j'ai trouvé ça là-bas, des bons prix. Et donc le trépied, j'avais trouvé là-bas. Mais éventuellement, si tu en recherches un que tu n'es pas pressé, là je pense que, ouais, juin, alors je pense qu'il ne devrait pas tarder à faire encore une semaine de brindage, on va dire. Donc ils remettent les produits qui restent en stock, ils les mettent pendant une journée ou deux. Alors, bon, généralement j'y vais tous les jours parce que des trucs très très intéressants. Hein. Dans comme style, l'autre jour j'ai vu une, encore là elle est au prix fort, hein. J'ai vu une graffeuse pointeuse pneumatique, hein, donc que tu branches sur les compressions, hein. Oh, une belle petite bête, hein. Elle était à 20, une vingtaine d'euros, tu vois. J'ai failli la prendre, enfin j'en ai pas trop d'utilité, enfin bon, ça me servira un jour ou l'autre de toute façon. Hein. Mais voilà, tu vois, il y a des prix très intéressants. Alors donc celui-ci, c'est un trépied, ils ont trois pieds au sol, une barre verticale réglable en hauteur, hein, tu tournes avec au milieu, là, t'as un truc à tourner, un quart de tour, enfin un quart de tour, tu dévisses un tour, tu couilles le bras comme il faut. Après il est orientable, inclinable, la barre transversale est inclinable vers le haut, vers le bas, tu peux mettre en verticale et autres, et coulissant de droite à gauche. Donc je pense que c'est ça que tu recherchais comme trépied, Louis, et toi? Oui. Oui. T'as fait peut-être en direction de l'école, là. Mais j'essaierai de vous écouter là sur la route, hein. Voilà, Louis, retourne micro. Oui. Ok, Vincent, bien content de t'écouter et félicitations et heureux que tu fasses partie du groupe, Vincent. Donc, je suis avec l'ami Gildas. Hein. Je t'ai entendu appeler Vincent, mais bah, a priori, il y avait tellement de monde qui appelait que tu n'as pas dû certainement m'entendre. Hein. Voilà, Vincent, 14 BCAR 159, Vincent, sur le nord de France. Et donc, je suis en fréquence avec l'ami Gildas, 14 BCAR 01 sur la Bretagne, qui apparemment t'écoute pas puisque tu es en mobile. Hein. Mais Jules passerait les 73 à part, il venait justement de m'en parler, hein, de ton entrée dans le groupe. Voilà, donc Gildas, 14 BCAR 01 pour 14 BCAR 381 Louis, le département 38, Louis, à l'écoute, à toi. Ok, merci Louis, j'entends pas Vincent, puis l'antenne est tournée plus ou moins, enfin est tournée, c'est pas plus ou moins, est tournée directement pointée sur ton antenne. Donc tu es rentré chez lui, donc il a peut-être pas vu. Donc voilà, donc je lui demande s'il a bien reçu le pactage. Et de toute façon, je lui passe un coup de fil dans la journée, peut-être plus en début de soirée. Parce que j'ai pas mal de monde à appeler aujourd'hui, puis j'ai des bricoles aussi à faire chez aux clients parentales. Ici, dehors, je ne pas grand-chose parce qu'il pleut. Et j'ai ici aussi à ranger, enfin bon, c'est après, c'est bon, c'est faisable dans la nuit. Quand il n'y a plus de propague. Voilà, comment dire, Louis. Donc, demande à Vincent s'il a reçu le pactage ou pas, et tu lui dis, ben, de toute façon, je l'appellerai dans la soirée, je l'appellerai. À toi, Louis. Oui. Oui, un break derrière, on l'a enregistré. Ok, Vincent, est-ce que tu es toujours à l'écoute? Là, Gildas demande si tu as reçu ton pactage là pour le départ OM. Là. Vincent, est-ce que tu m'écoutes? À toi. Ok, Louis. Hein. Ok, Louis. Hein. Je suis en train de circuler. Hein. Je ne sais pas si le report il est pareil. Je suis en train de circuler. Je m'en vais en direction de l'école là, pour récupérer la cuillère pépette. Non, négatif. Hein. Un négatif. Ouais.
Allez, ok, bien pris pour pas reçu le pactage. Peut-être cet après-midi ou en début d'après-midi. Et l'ami Vincent est en mobile. Hein. Ok, donc avec la permission de Vincent, 14 BCAR 159 BCAR 01 BCAR 381, le break, bonjour, en avant. Ok, je reprends. J'ai pas bien compris le prénom de l'OM, désolé, mais j'ai compris que vous étiez en mobile là. Hein. Avec un cycle indicatif, ça a été un peu difficile de noter au niveau de l'audio, mais bon, vous arrivez assez fort. Mais je sais pas, j'ai pas bien saisi l'OM. Hein. 73 ici 14, bravo Charlie Alpha Radio, Louis, le département 38, et bien sûr, je vais renvoyer sur Gildas. Je suis en train d'enregistrer tout le monde. Hein. Voilà, je suis en train de faire un petit enregistrement du QSO Gildas, micro-retour. Garde pas trop longtemps le micro, Gildas, sinon je te coupe l'émission. Des contacts puisque j'ai tout viré ce qu'il y avait sur le bureau pour nettoyer.